La langue française, moi, je ne l'ai pas étudiée, je l'ai aimée. Derrière ce pseudo féminin, Yasmina Kadra, se cache un ancien militaire de l'armée algérienne devenu l'un des écrivains arabes les plus prolifiques, avec une quarantaine de livres publiés dans plus de 60 pays. J'aime faire, construire avec cette langue des fresques, des paysages, je suis comme un peintre. Mohamed Moulay Sehoul, né en Algérie en 1955. Son père est officier dans l'armée de libération nationale durant la guerre d'Algérie. À 9 ans, il est séparé de sa famille et envoyé dans une école militaire avec une atmosphère carcérale. Haut gradé durant les années 1990, il lutte contre les groupes islamistes durant la décennie noire. S'il raconte avoir accompli son devoir militaire envers sa seconde famille sans faillir, Mohamed nourrit secrètement une ambition littéraire comme une échappatoire à la violence de l'armée. Il publie plusieurs polars en son nom, mais l'état-major voit d'un mauvais œil la présence d'un écrivain dans ses rangs et commence à le surveiller de près. Pour échapper au comité de censure, l'écrivain adopte le pseudo Yasmina Kadra en hommage au prénom de sa femme. Ses textes, écrits en français, connaissent déjà un certain succès en France. J'adore la langue française. C'est pour moi, c'est la langue du roman. C'est la plus belle langue du monde après l'arabe. L'arabe, c'est la langue de la poésie et le français, c'est la langue du roman. Et puis, c'est une langue qui sait tout dire jusqu'à l'indicible, qui sait tout traduire. En français, on découvre une certaine musicalité qu'on ne trouve pas dans les autres langues. Ses premiers romans racontent les déchirures d'une société algérienne post-coloniale entre rêves d'émancipation, dérives autoritaires et corruption. Les hommes les plus libres de par le verbe et de par la protestation dans le monde, ce sont les Algériens. Mais ils ne sont pas écoutés. À quoi ça sert de faire du bruit quand il y a un dialogue de sourds? En 2001, il révèle son identité, quitte l'armée et s'installe en France. L'auteur algérien renvoie dos à dos les impérialismes étrangers sur le monde arabe et la radicalisation islamiste, sans complaisance ni manichéisme. L'obscurantisme pour moi, c'est quelqu'un qui refuse de voir les choses telles qu'elles sont et qui essaie de leur imposer sa propre vision. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai débat se situe à notre niveau. C'est à nous, écrivains musulmans, d'imposer une nouvelle ouverture sur l'Occident et sur les autres. Kadra traite de tous les périls que traverse le monde arabe. Il dénonce les bavures de l'armée américaine sur les civils irakiens dans les sirènes de Bagdad. Il traite du conflit israélo-palestinien avec l'attentat et raconte les printemps arabes du point de vue de Kadhafi dans la dernière nuit du Raïs. Un dictateur qui se situe aux antipodes de ce que je suis. Hein. Ça n'a, on n'a absolument rien à voir ensemble. Mais ça a été physique, bien sûr. Ça a été très physique. Il y avait même des rencontres avec Kadhafi dans l'imaginaire. Et il venait quelquefois dans mon sommeil protester contre telle ou telle formule ou tournure de phrase, telle ou telle citation, tel ou tel accès de colère. Il dit, j'ai pas dit ça, je ne suis pas comme ça et tout. Et on se bat, on se battait. L'écrivain aime les portraits tourmentés, ambigus, voire monstrueux. Il raconte même les attentats du 13 novembre 2015 du point de vue d'un terroriste qui refuse de passer à l'acte au dernier moment. La littérature, c'est la domestication du délire. Voilà. Si on arrive à être maître d'un délire, c'est-à-dire si on arrive à rester lucide dans un délire, c'est que quelque part, on est un vrai romancier. Alors j'essaie de voir si je suis un vrai romancier ou pas. Son œuvre prolifique, c'est dû aussi le cinéma. 4 de ses romans ont été adaptés en film. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. En près de 40 ans de carrière littéraire, l'écrivain a bâti une fresque foisonnante pour tenter de comprendre les malentendus entre Orient et Occident, avec une volonté constante d'ouvrir le dialogue et de réconcilier les esprits.